C'est ma faute, j'avoue. C'est moi. Voilà, donc là Que le normalement. sol vous engloutisse. Là normalement je devrais recevoir des dégâts. Exact. Donc là je la joue legit pour 100. Ah, par contre les bons gros mobs, les bons gros mobs. Faudrait que je m'occupe de la sorcière après, parce que je n'aime pas les sorcières, lol. Allez. Putain, je vais m'en occuper tout de suite en fait, parce qu'elle commence à m'énerver. Et toi aussi, tu m'énerves. Voilà, mais en plus, Dikin, il est mort. Mais je sais que t'es mort, Dikin, t'es une grosse tanche. Ça va, j'ai encore 17 charges. Allez, je prends l'épée et je me barre. Je vais devoir prendre une petite potion. Voilà, allez. Allez, on agonise. Allez, on. Mon personnage fait n'importe quoi. Est-ce que tu peux attaquer? Voilà, par contre là, je ne suis pas d'accord. Je suis absolument pas d'accord parce que mon personnage aurait dû attaquer, il a rien foutu. Est-ce que c'est perturbant? Oui. Oui, moi ça me perturbe, donc oui, donc attaquer. Que le sol. Voilà. Toi, la magotte en première. Je me fais rétamer. Je me fais tellement rétamer par tout le monde. Ah, ça va encore, pas trop. Heureusement que j'ai 200 points de vie, lol! Voilà. Un premier. Est-ce que tu peux. Ah non, mais. Attaque! Fais un truc! Oh là là, oh là là. Mais que ce personnage est lent! Allez! Non, mais oui! Regarde-moi quand je t'attaque. Voilà, et de 2. Donc du coup, là c'est en 1v1. Enfin, 1v1. Hein, vite dit. Comment ça se fait que je fais... Que je rate quasiment tous mes coups avec cette épée? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas et ça m'énerve. Voilà, je tiens à le dire, je donne un coup de micro. Pardon. Mais voilà, mais je rate mes deux attaques donc. C'est n'importe quoi. Ah, mais je me prends 17 de dégâts. Est-ce que tu le vois le problème? Oui, il m'attaque pas. Pendant que j'en reprends toute ma vie. Voilà, là c'est bien. Là on est bien. Attaque! Waouh, 8 points de vie, alors qu'il m'enlève quasiment le double. Oh là là, mais ce combat est ennuyant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oh là là. Waouh, 6. 21, pas de... Oui, bah, la différence se voit complètement. Après, c'est un roi, il a de l'expérience dans le combat. Attends, normalement j'ai une potion qui doit traîner. Non, c'est pas pour une restauration partielle, c'est guérison. Utiliser. Et ça va me remettre full life. Voilà. Et là, on va parler. Voilà, quel combat. Quel combat. On s'ennuie tellement fort. Du coup, on va prier pour que cette technique de l'opportunité lors d'un chargement de partie marche. Oui, j'ai mis 6.
Waouh, je lui ai mis 6 points de vie, il m'en met juste 3 fois plus. Waouh, il est sérieusement blessé. Waouh. Ce combat avance, tout ça pour une épée. Est-ce que mon idée était complètement stupide? Oui, mais bon, soyons roleplay. Et donc. Waouh, 6 points de vie en plus. En moins, c'est pour lui. Waouh, 18, c'est à peu près 3 fois plus. A remarquer ce combat d'infirme. Remarquez comment ce squelette, qui est là depuis sans doute des dizaines d'années, se bat beaucoup mieux que moi. C'est insultant quelque part. Il m'a enlevé 100 points de vie, j'en lui ai enlevé à peine 2. Oh là là, mais quel combat! Quel combat ennuyant! C'est ennuyant! Non mais je le vis bien ce combat, je le vis super bien. Je le vis tellement bien. Le jeu? Ouah, 6 points de vie. On avance. 17 points de vie. Énorme blague. En tout cas, j'espère que vous appréciez le jeu. Waouh, encore 6 points de vie en moins. Il m'en a juste enlevé 17. Enfin 34 même. Non mais j'adore. J'adore ma vie. Enfin là j'adore ce combat. Là bah oui, là c'est moi qui me prends 17. Oh là là. Oh là là. Y a pas moyen de faire renversement là. Renversement raté. LOL. C'est-à-dire parce que j'ai pris cette aptitude, j'aurais pu prendre autre chose. J'aurais pu prendre tellement mieux. Est-ce que tu sens le fun? Moi non plus. Ah, attends, c'est moi ou il regagne de la vie là? Il a regagné de la vie. Il est passé de blessé à peine blessé. Mais c'est énervant. 5 points de vie, ouais. Ouais. Bon, changement de plan. Écoute, Nick. Hein, j'ai. Voilà, tiens, je prends l'épée, je te prends ça et je me barre. Je sais pas ce que j'ai pris, mais je l'ai pris. Allez, cassos. Voilà, moi je m'en vais. Je me barre dans ce couloir qui a l'air d'être. Je vais te fermer la porte. Si ça marche, je te ferme la porte sur la gueule. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Putain, ça a presque marché. Ah, tu m'auras pas. Mince, il s'est ouvert les portes et je crois qu'il est accompagné. Non, c'est pas vrai.
Mais ferme la porte. Trop de balles. La porte. Arrêtez d'ouvrir cette porte. Arrêtez d'ouvrir cette porte. Moi, je le vis bien, écoutez. Ce qui m'arrive, c'est trop bien. Non, mais oui. On va juste attendre jusqu'à ce qu'ils arrêtent d'ouvrir la porte. Ouais, je pense que c'est bien. Ils savent ouvrir une porte, c'est énervant. Oh là là, puis le jeu, il est en train de me dire vas-y, stop, arrête, c'est énervant. Moi, je suis en train de souffrir. Ah, le jeu, il en peut plus là. Il a du mal à le charger. Ah, que ma vie c'est amusante. Que ma vie est amusante. Oui, je vous le dis. Ma vie est foncièrement mieux quand je joue à ça. Ah, oui. Salut. La porte. Salut. Tu sais pas ouvrir la porte. Il sait ouvrir la porte. Il m'énerve. Putain, puis alors Dickin là, il est en train de m'ennuyer et j'ai ouvert la porte qui est là-bas. Ah. Vas-y. Voilà. Ah, cette porte est tellement secrète. Ah bah du coup, attends. Du coup, est-ce qu'on va s'ennuyer? Ouais, on va s'ennuyer. Mais les ennemis sont pas proches, te fous pas de moi. Mais cette blague. Mais y'a pas d'ennemis pour... Mais les ennemis sont pas proches, te fous pas de moi. Enfin, je suis là, ils sont là-bas. Eh. Merci. Bon. Eh ben écoutez, ça va être là-dessus que qu'on va s'arrêter. Enfin, je vais déjà voir l'équipement que j'ai pris. La belle épée. La belle Anstrik, l'épée longue. Ah mais attends, mais c'est pas mal ça. Ah mais attends. Je trouve des trucs intéressants. Alors c'est 1 d8 19 20 x 2 et là c'est 1 d8 19 20 x 2 sauf que là ça a l'air d'être vachement mieux. Voilà, j'ai une épée bâtarde et une épée beaucoup mieux. Et il y a encore des pièges, enfin des pièces que je n'ai pas visitées. Et ça m'amène où là? Ça m'amène dans cette petite pièce avec un petit coffre. Tranquille. Tranquille TMTC, hein. Comme diraient les jeunes. Et dans ce coffre, il y a une note. Waouh. Ah. Petite blague des devs. Ah, la petite blague. Bon, maintenant que j'ai une streak et que là, je suis bien reparti pour crever, est-ce que je vais quand même continuer? Non, moi parce que j'aime me faire du mal. Et là ils sont partis et là c'est trop bien et donc là on va s'arrêter. Donc ah bah ils sont, je sais pas où ils sont mais ils sont. Allez Dickin. Voilà. Est-ce qu'on se barre Dickin? On va complètement se barrer. Voilà, prends la porte. Et puis voilà, et ben on est bien, bah c'est parfait, tout ça, tout cela va à merveille. Parfait, et ben on va s'arrêter là pour cette session catastrophique. Ah, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce qui vient de se passer. Merci en tout cas d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé en tout cas. J'espère quand même que malgré le God Mode, hélas, sur le dragon... vous avez apprécié au mieux cette session. Le jeu est vraiment compliqué et dur à ce moment-là. Mais on a quand même... on a fini cette partie-là. Faut juste qu'on aille faire la sortie ici et qu'on fasse l'énigme pour le niveau 2. On va arriver au niveau 2. J'y crois à mort, à fond. Bref, merci.
Non, regardez, n'oubliez pas comme d'habitude de mettre un pouce bleu, c'est super important pour le référencement et pour l'argent, tout le monde le sait. Et bien sûr, si le contenu vous plaît et que vous voulez la suite, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur le Twitter où je suis présent la plupart du temps. Et bien sûr, de commenter si vous avez une idée de stratégie ou d'équipement que je dois adopter. D'ailleurs, je vais aller faire quelques emplettes hors caméra. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Neverwinter Nights, Horde of the Underdark.